Ah, si tu te demandes ce que je fais, ouais, je me mouvoie dans l'espace pour créer mon training. Aujourd'hui, première vidéo sur les femmes. Alors, on a de la chance. J'ai eu le droit d'avoir Jean Lisson, donc Alison Testu, pro IFBB, qui a déjà participé à Olympia, à très haut niveau, évidemment. Donc, on a la chance de pouvoir analyser une athlète et qui plus est, une athlète qui veut passer en wellness. On est vendredi soir, depuis Alison a annoncé qu'elle renonçait au fait de changer de KT pour X raisons. De toute façon, ça la regarde. Mais, dans tous les cas, on voulait analyser ça parce qu'elle me disait qu'elle avait des jambes récalcitrantes. Ce qu'on va faire aujourd'hui, on va faire un truc assez simple pour que vous compreniez, parce que ça va être un training sur un an. Je vais vous montrer comment vous pouvez procéder, vous mesdames, et puis surtout je vais vous montrer comment agencer ça sur le long terme, comment rattraper des cuisses quand vous avez un gros cul. Oui, parce que Alison, t'as un gros cul, hein, qu'on se le dise. Alors tu me disais en privé que t'avais pas de mollets. Je sais pas ce qu'il te faut là, parce que t'as les mollets dans les chaussettes. Alors peut-être que monsieur n'est pas dans le cas dans ce cas-là, mais toi là, t'es bien quoi, ça va finalement. Petit disclaimer, le premier que je chope à avoir un commentaire misogyne ou autre, je le foudroie en place publique. Je vous préviens les gars, je vous affiche en story, je vous tartine la gueule, tout ce qu'il faut. Vraiment, c'est un truc que je déteste. Hein, on est en 2023. Si le fait que Alison te met mal parce qu'elle pousse plus que toi, j'y suis pour rien. Hein, les couilles, ça pousse pas à la salle. Hein, voilà. Donc comme ça, t'es prévenu. S'il a envie de mettre un commentaire négatif, alors tu peux mettre un commentaire négatif, mais sur moi, pas sur Alison. Hein, on s'entend. Autre chose aussi, les mecs, et là je m'adresse plutôt aux coachs qui me suivent, restez là, ça va vous intéresser normalement. Vous allez pas forcément, j'aime pas dire que vous allez apprendre des choses, mais vous allez avoir une réflexion, du moins quelque chose, ouais, des nouvelles options pour agencer vos trainings pour vos dames, tout simplement. Donc aujourd'hui, on va pas faire un training entier, je vais juste me focaliser sur ses cuisses. Donc là, on va parler évidemment morpho-anatomie. Alors, je vais pas pouvoir faire puisque je vois pas tout, mais au moins, on a déjà une bonne base. Donc, une chose est sûre, c'est qu'elle a le buste court, jambes longues, et c'est là le problème en fait. C'est pour ça que ses cuisses sont récalcitrantes. C'est là ma petite Alison que, d'ailleurs, je sais pas combien tu mesures. Bon, t'es une bikini, j'imagine que tu fais 1m50. Buste court, jambes longues. Elle n'a pas excessivement un fessier long. Hein, on le voit. Merde, là c'est son gros cul. C'est plus parlant comme ça. Pas forcément le fessier long. Hein, quand on voit la taille du fémur, de toute façon, il n'est pas excessivement long. En revanche, le fait d'avoir le buste court et les jambes longues, dès qu'elle a une flexion de hanche, la flexion de hanche, c'est très vite grande à cause de ce combo. C'est pour ça qu'elle prend tout dans les fessiers. C'est problématique du coup pour attraper des quads, voire même des ischios dans son cas. Donc vraiment, la grosse problématique dans son cas à elle, c'est ça. Mais c'est le cas de beaucoup de femmes. Alors vous le voyez pas forcément, mais je vais pas forcément l'écrire. Le triceps est court, on le voit bien ici. Les épaules sont vachement longues, c'est pour ça qu'elle a de très belles épaules. Elle a un très bon dos. Vous le voyez pas forcément non plus, mais son grand dorsal s'attache quand même assez bas, elle a de gros érecteurs juste ici. Elle me disait qu'elle avait des douleurs de dos, alors j'imagine que forcément ce combo là joue aussi beaucoup. Dans ces cas là, dès qu'il y a une grosse flexion, le bas du dos est vite en porte à faux et c'est ça qui est problématique. L'arrière d'épaule est assez long, donc j'imagine qu'elle n'a pas forcément une grosse largeur de dos, mais je pense que le dos n'est pas forcément un problème pour elle. Enfin, ça m'étonnerait. Sur sa pose là, on voit bien que forcément, elle m'a dit qu'elle avait des tendinites juste ici, donc forcément on voit bien qu'ici elle a un gros valgus, ce qui est souvent le cas aussi pour vous mesdames. Vous êtes sujet à avoir un gros valgus, ouais, et a priori à la l'humérus assez long et les avant-bras plutôt courts. Son long supinateur vient quand même s'attacher assez loin. Donc le fessier est pas excessivement long, il s'attache pas forcément très bas. Elle a l'ischio, le pic de l'ischio qui est au milieu, et on l'a vu sur l'autre photo. Je vous en parlais dans ma dernière vidéo. Si vous voyez bien, ici, il n'y a rien. Il n'y a rien ici. Donc, l'ischio est quand même relativement bas. Et le genou ici, il y a du creux même au-dessus du genou. Donc, l'ischio est quand même relativement court. C'est ça qui est problématique aussi chez elle, bien qu'il est quand même assez bombé. Et évidemment, son quad, le quad est quand même assez long. Hein, on le voit bien ici. Problématique aussi, c'est que elle a un gros fessier. C'est ça le problème. Hein, elle a un gros fessier, donc elle prend tout dans le cul. Pardon pour cette phrase, ma petite Alison. Elle prend tout dans le fessier, voilà. Et ça devient problématique. Donc là, il va falloir
être malin et surtout en fait amener du sang. Grosse shape, hein. grosse shape, grosses épaules évidemment, on sait pourquoi, puisque t'as le delto qui est quand même vachement long. Ouais, on voit ici que t'as les dorsaux qui sont pas forcément spécialement très très bas non plus, mais ça c'est dû à ton delto postérieur. Donc évidemment je vais pas faire le training dos, mais ma petite Alison, je te conseille de commencer comme tous les autres, par l'arrière d'épaule lorsque tu fais le dos. À partir de là, en sachant que c'est une athlète de haut niveau, qu'elle s'entraîne depuis 8 ans, je crois qu'elle m'a dit, 7-8 ans, ce qui n'est pas non plus extraordinaire, c'est pas excessivement long, hein. Elle a quand même de très beaux résultats, mais 8 ans, c'est pas non plus foufou. Donc ce qu'on va faire, c'est 3 séances cuisses dans la semaine, et le but là, ça va être de se focaliser sur ses quads principalement pour le moment, et réduire évidemment l'intervention du cul pour qu'elle puisse rattraper ça sur le long terme. Donc 3 séances cuisses. Alors là techniquement les gars, vous dites 3 séances cuisses, c'est quand même costaud, ce qui est vrai, mais la plupart des femmes sont capables de le faire, parce que la récupération, étant donné que vous poussez moins lourd que nous, même si vous allez me dire oui je suis capable de pousser 200 au hip thrust un petit peu comme Lorraine. Oui, ok, mais c'est pas fou, 200 kilos, ça, c'est une grosse charge, ok, mais ça reste pas fou. Et ça reste qu'un entraînement sur 4 voire 5 entraînements. Donc d'un point de vue nerveux, vous récupérez quand même déjà bien plus que nous. Donc là, il va falloir mettre l'accent, encore une fois, sur les quads. Donc très simple, on va partir sur 3 séances, en sachant qu'il va falloir toucher principalement les quads, les ischios, et aussi, en dernier, son fessier. Donc en règle générale, vous pouvez procéder de cette façon. Une journée où vous aurez les quads en lourd, une journée où vous aurez des quads avec des charges moyennes, où on va chercher un travail différent, et un travail léger. Donc en sachant qu'il faut à peine toucher son fessier. Donc si vous faites les quads en premier, ischio en second, vous pouvez faire des ischios ici en moyen. En quad moyen, vous pouvez faire les ischios en lourd. Et enfin, une dernière séance en léger. Une séance où vous serez léger sur les quads et léger sur les ischios. Pourquoi ? Parce qu'ici, sur le fessier, on va mettre lourd. T'as compris la logique ? Ici, on a mis les quads lourds. Donc pour faire les quads lourds, mine de rien, il va falloir une grosse flexion de hanche. Donc potentiellement, on va sentir son fessier. Donc ici, on va mettre léger. Et là, du coup, on mettra moyen. Donc vous avez une séance où il y aura du lourd sur les quads, sur les ischios, sur les fessiers. Ici, sur sa séance quad, quad en principal, donc quad en lourd, ischio, et enfin un exercice fessier. Et ici, sur sa séance focus ischio, quad en moyen, fessier en moyen. Et sur sa séance focus fessier, le fessier du coup en lourd, et elle aura les quads en léger et les ischios aussi. Très simplement, quad en lourd. Donc, elle a du mal à sentir ses quads. Encore une fois, je disais 7-8 ans, c'est pas ouf. Donc évidemment, premier exercice de l'activation, de l'isolation, quelque chose de très simple encore une fois, mais qui va lui faire pumper les quads assez suffisamment pour qu'elle ne sente que ça sur l'exercice suivant, qui sera l'exercice du coup lourd. Donc très simple, un leg extension, 3 fois 15 à 20, encore une fois sans tempo, quoique elle pourrait faire un tempo de 0-1-1, qui pourrait être très bien aussi. Donc là, encore une fois, elle congestionne, et là, du coup, l'idée c'est de toujours de venir chercher du lourd, ok. Donc c'est là, c'est sa séance la plus importante, donc c'est pour ça qu'on la met en première hein, dans la semaine. On se rappelle, elle a le buste court et des jambes longues. Donc déjà, de toute façon, un squat, ça va vraiment pas être optimal. Ça, c'est quelque chose de vraiment mauvais. Enfin, de mauvais. C'est pas quelque chose de mauvais. C'est juste que je déconseille, puisque de toute façon, elle aura tellement une grande flexion de hanche que dans tous les cas, le fessier va prendre. Hein. Encore une fois, je ne dis pas qu'il ne faut pas le faire. Je dis que je déconseille. Ok, les trous du cul qui essayent de m'attaquer. Ne parlez pas trop vite, de toute façon, puisque il y a des choses que je sais que je ne devrais pas savoir. Le monde du body est petit. Donc elle m'a dit qu'elle avait des petits soucis de genoux en pleine flexion. Donc, très simple, si elle avait le matos, évidemment, un pendulum, ce serait très bien aussi. Mieux pour ses genoux, moins dangereux, plus doux. Et de toute façon, là, elle a assez de niveau pour faire un top 7. Et là, n'oubliez pas, nous sommes sur le premier bloc, dans les 3-4 premiers mois. Donc, un top 7 où elle va pouvoir mettre lourd, donc de 6 à 10 reps, qu'elle pourra enchaîner, par exemple, hein, avec un cluster léger, encore une fois, donc un 4x4. Ça pourrait être très bien, avec un petit 15 secondes de repos. Et vous allez voir, ça a son importance. Donc là, le travail du quad, il est quasiment fait. Donc là, n'oubliez pas qu'en pleine flexion, elle va sentir son fessier. Mais
on est activé, on veut du lourd. Honnêtement, sur un pendulum, je lui dirais personnellement d'aller en pleine flexion, donc en full amplitude. Alors évidemment, on s'écrase pas sur les ischios, on reste dans une amplitude active. Donc derrière, elle a du niveau, on prend une presse avec la bonne technique, les pieds en bas, grosse flexion de genoux. La presse va éviter qu'elle sente son cul, ça va vraiment être focus que sur le quad. Donc là, très simple, pareil, il va falloir mettre lourd. Un top 7 avec un 6, 10 reps et un back-off avec un 8, 12 reps. Donc là, on est vraiment que sur le quad. Derrière, on enchaîne ischio en moyen, ok. Donc il va falloir trouver un exercice avec une forte tension d'étirement, oui, mais avec un dégât nerveux qui soit moins important. Donc très simple, elle pourrait faire un soulevé de terre, des lifts, et comme j'ai dit, avec peu de nervosité. Et en plus de ça, un travail moyen, c'est-à-dire elle pourrait faire très bien un petit 2 x 10 à 15 reps, ce serait très bien. Ça suffirait amplement. Donc là, on a déjà 3, 4, 5, 6, 7. 7 séries sur les quads, 8, 9 sur les ischios. C'est déjà une belle séance. Et on finirait par un exercice de fessiers en léger. Donc, tout simplement, où elle va pouvoir mettre peu lourd et elle va pouvoir s'amuser quand même à faire de la contraction parce qu'il faut quand même qu'elle puisse le travailler pour éviter de le perdre. Un petit, pareil, 2 x 15, 20 en iso sera très bien sur une machine à hip thrust, tout simplement. Donc ça, c'est la séance quad lourd. Mais si ça ne tenait qu'à moi, ma petite Allison, voilà ce que je ferais. Parce que t'as déjà un gros cul et tu nous emmerdes avec ça. Donc ça, ce serait le bloc 1. Si on voulait faire un bloc 2, donc ça veut dire que ici ça a bien marché et que tu as déjà progressé. Ici, on réduirait, donc on mettrait plus lourd. On pourrait augmenter en fait tout simplement ton volume. Donc ici, on pourrait mettre plus lourd. Donc l'idée, ce serait d'augmenter ton volume sur le lourd encore, puisque la machine est bien lancée. Donc on pourrait faire un bloc 2, un petit 2 x 10, 15 reps, toujours avec du tempo. Ici, ton pendulum, on ferait un top 7. Ton cluster, on ferait un 5 x 5, mais ce coup-ci avec 20 secondes. Ça, on le garde. Et on pourrait faire un bloc 3. Donc, allez, admettons 8, voire 10 mois plus tard, avec une fois 10, 15 avec une dégressive, ce serait très bien. Ici, toujours un top 7. Chercher un 6x6, ce coup-ci avec 25 secondes. La presse, on viendrait chercher un top 7, toujours. Mais j'avais mis 6, 10 reps. On pourrait venir chercher plus de volume, un petit peu moins de traumatisme, puisqu'ici c'est quand même chaud. Un 12 à 15 reps. Puis sur ton back-off, un 15 à 20 reps. Ce serait déjà pas mal. Sans toucher au deadlift. Donc là, vous avez la programmation basique pour une bikini. Ce que moi, je préfère, par exemple, à Allison, si elle était avec moi. Donc là, vous allez me dire, mais oui, mais Pierre, quand est-ce qu'on change de bloc? Eh ben, je sais pas. Non, c'est vrai, je sais pas. Je peux pas te dire, en fait. Ça dépendra de toi. Et il va falloir être malin et surtout être, encore une fois, honnête avec soi-même. Si tu sors, par exemple, si on avait fait du pendulum, si tu sens toujours ton cul à la fin du pendulum, ne change pas de bloc. Ça ne sert à rien. Attends. En fait, le premier bloc, il peut durer 6 mois, 8 mois, 9 mois, 1 an. Tu peux pas prévoir. Ça dépendra uniquement de ta progression. Donc, deuxième séance, ischio lourd, quad moyen, fessier moyen. Donc là, on va mettre l'accent là-dessus. N'oubliez pas que sur le fémur de Allison, elle a le fessier qui fait ça et son ischio qui fait ça avec le genou qui est quand même beaucoup plus bas. Donc un ischio quand même assez court. Donc en partant de ce postulat, à titre posthume, que t'envoies à la poste de ton postérieur, hein, ischio court sur le papier, encore une fois, un simple leg curl comme tout à l'heure, 3 x 15 à 20. Mais ce coup-ci, je la ferai pas pencher en avant pour des raisons qu'on vient d'évoquer, parce qu'elle est ischio court. Potentiellement, elle peut se flinguer sur le long terme. On peut même remettre un tempo, c'est pas un souci. On peut totalement le faire. Derrière, alors là, c'est le gros exercice. Donc, soit elle sent très bien ses ischios sur un deadlift, donc on peut mettre un dead, c'est pas un souci. Soit sur un glutam raise. Mais encore une fois, un glutam raise bien fait, et c'est là le problème, c'est que, bon, déjà, un glutam raise normal de base, peu de monde, enfin peu de salle à cette machine-là, ou du moins accessoire là, il va falloir avoir une flexion de genoux et de hanches, mais pour utiliser la relation tension-longueur, bref, cet exo là sur le papier, c'est le meilleur. Encore une fois, ce n'est que du papier. Si elle sent ici, ce sera très bien aussi. Donc, très bien, comme on a fait tout à l'heure, un top 7, c'est le même format. Encore une fois, le but c'est de mettre lourd, donc 6 sur 10, et puis un back-off. Parce que là, tu vas te dire, on fait pas des clusters partout. Il y a des muscles qui sont plus dangereux que d'autres. Faire un cluster là-dessus, ça n'a aucun sens. Donc, back-off, 8 à 12 reps, ce sera très bien. Donc là, exercice lourd. Encore une fois, c'est quelqu'un qui a du niveau. Donc, on pourrait très bien faire aussi
pour finir, soit un leg curl allongé, mais il y a encore une flexion de hanche, quand même l'ischio court. Je pense qu'un leg curl debout, si elle l'a, sera bien plus intéressant. Et en plus de ça, comme je disais, elle a l'ischio court. Donc là, pour le coup, je viendrai pas chercher un top set, un back off. C'est quand même un exercice d'isolation. Je viendrai chercher tout simplement un leg curl debout, 2 x 10-15 reps avec un tempo, pas en iso. Là, je viendrai chercher de l'iso. Là, je viendrai chercher peut-être un 3.0.1.0. Donc le but, c'est qu'elle ralentisse sa descente, tout simplement. Pourquoi? Pour venir stretcher, encore une fois, pour venir... On pourrait même venir chercher une contraction avec, hein, ce serait pas un souci. Comme un ischio qui est quand même petit, on pourrait très bien faire ça pour qu'elle puisse, encore une fois, venir chercher la viande qu'elle n'a pas et qu'elle apprenne à bien le bouffer pour venir chercher un peu plus lourd après. Donc... Quad moyen, très simple, une presse à cuisse, c'est du moyen, ok? Donc un top set, donc tout à l'heure on était en lourd, là on va venir chercher 10, 15 reps. On pourrait très bien faire la même chose sur le back off, ce serait pas un problème. Donc là encore une fois, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, encore beaucoup, mais bon je pense qu'elle peut le faire. Fessier moyen. Donc là, on peut venir chercher, encore une fois, un hip thrust à la machine. Faites pas attention, j'écris comme un sagouin. Mais ce coup-ci, sans tempo, pourrait très bien venir chercher 2 séries avec un top, un back-off, très simple. Encore une fois, c'est moyen, donc 10-15 reps sur les deux. Donc là, on pourra mettre un peu plus lourd que sur sa séance d'avant. Je l'efface, mais je te le recommande quand même celui-là. Qu'est-ce qu'on ferait sur un bloc 2? Et qu'est-ce qu'on ferait sur un bloc 3? J'espère que vous suivez parce que c'est compliqué. Comme tout à l'heure, leg curl viendrait chercher moins de volume. Donc 10-15 reps, elle pourra mettre un peu plus lourd, elle peut garder son tempo si ça lui fait plaisir et surtout si ça l'aide encore une fois à congestionner. Son deadlift, donc le deadlift, elle pourra venir chercher pareil un top set, mais ce coup-ci 8-12 reps, voire même 15 si elle veut, ce serait pas un souci non plus. Et un back plutôt vers les 10-15 reps. J'ai écrit comme un cochon. Celui-là, s'il est acquis, personnellement, sur le bloc 2, je viendrais tout simplement retirer le tempo. Ce serait déjà pas mal. Et du coup, sur le bloc 3, t'as vu un peu comment je m'en bats les couilles? Même chose que tout à l'heure. Le leg curl, on ferait une série. Pareil, 15-20 reps plus dégressive. Ici, son deadlift, on viendrait chercher un top set. 15-20 reps. Un back-off, même chose. Et puis ici, on pourrait très bien venir chercher. Donc, son leg curl debout, viendrait chercher un 2 x 8 à 12 reps. Donc là vous me dites c'est du charabia, mais l'idée même de base c'est ici de pouvoir mettre lourd. Une fois que c'est acquis, vous arrivez bien à contracter, à que la connexion est faite, encore une fois que vous arrivez à exploser et sentir votre muscle, c'est important, vous allez mettre potentiellement moins lourd. Bah oui, mais c'est vraiment ici en fait que vous allez progresser. C'est au bloc 2 et au bloc 3 que vous allez exploser. Pourquoi? Parce que vous allez déjà plus facilement progresser, tout simplement parce que les fourchettes de répétition sont plus haute, donc plus facile à atteindre. C'est ni plus ni moins du pourcentage de force. C'est beaucoup plus difficile de passer de 6 à 10 que de 12 à 13. Vous allez mettre moins de force, donc vous allez pouvoir gratter beaucoup plus de reps et beaucoup plus facilement des gains sur toute votre semaine, toute votre planification. Et c'est comme ça qu'on progresse. Alors là, techniquement, vous vous posez une question, qu'est-ce qui se passe après le bloc 3? Bah techniquement, après le bloc 3, vous avez rattrapé vos points faibles. Potentiellement, il va falloir se tourner vers autre chose. Tout simplement, parce que vous avez pris du retard sur autre chose. C'est comme ça qu'on avance. Regarde, je sais pas boire. J'ai fait une pause biberon et je sais pas boire. Je me mets à baver comme certains quand je vais me mettre à lâcher des cartouches. Qui est sur mon canal? On se marre bien sur mon canal. Venez sur mon canal. Franchement, c'est bien. On raconte tout. Bah, surtout, je réagis à plein de trucs. Alors, le petit popotin de Madame Jean-Alison Testu. Donc là, c'est une séance fessier, mais elle a un point fort fessier. Donc, ça va être une séance relativement légère. Donc, il va falloir s'en servir au final, puisque comme elle a déjà un point fort fessier, on n'est pas obligé de rattraper ce problème. Elle n'a pas besoin d'un développement global. Donc, on va s'en servir. Point fort fessier, fessier lourd. Séance Q, ok, très simple. Quel exercice qui tape le plus le cul en étant le plus lourd, hein, sans surprise, le hip thrust. Mais ce coup-ci, vous le faites à la barre, Mademoiselle Alison, à la barre, à libre, ok, libre, très simple, un top 7, un back-off. Et là, de toute façon, quoi que vous fassiez, vous allez taper dedans. Donc, allez pas forcément chercher du très très lourd, ça n'a pas forcément grand intérêt. Un petit 8-12 sur le top 7 et puis 10-12 sur le back-off, ce sera déjà
Très bien. Alors là, tu vas me dire, oui, c'est tout, je fais que ça pour le cul. Donc je sais que tu vas être chiante parce que t'es une gonzesse. Ça, on le sait, t'es une gonzesse, donc t'es chiant. Je veux bien te mettre un kickback, ça me dérange pas. Mais je te mets peu de volume aussi. Un top 7, un back-off. Sauf que c'est de l'isolation. Donc 10-15 pour le premier, 15-20 sur le deuxième. Ça suffira amplement, hein, madame, là, ça suffira amplement. Ça, c'est que pour ton cul. Donc au final, on a deux hip thrusts à la machine, un qui est léger, en iso. L'autre, on va pouvoir mettre, venir chercher des répétitions un petit peu plus hautes. Et surtout, le principal ici, donc, on va pouvoir mettre lourd et se faire plaisir. Parce que j'imagine que c'est un grand kiff pour vous. Et je comprends ça. Quad léger. Donc, ici, très simple. Hip thrust, kickback, leg extension. Léger, ok? Qui dit léger, dit on peut mettre du volume. 15-20 reps. Sans tempo. Tu viens pomper comme il faut. Alors, tu viens pomper, excuse-moi Alison. Je vous vois venir, hein, encore une fois, je vous l'ai dit les gars. Hein. Premier qui met un message misogyne, je le tartine. Oui, du coup, c'est vrai, je pourrais me tartiner moi-même. Ça me ferait plaisir de me tartiner. Comme dirait mon ami Ludo, je suis beurrable. Leg extension, 3 x 15-20. Presse, en léger, 2 x 15-20. On peut même venir chercher une dégressive. Ce sera très bien. Ça restera peu traumatisant. Ça va brûler, mais c'est tout. D'un point de vue nerveux, ce sera pas ouf. Et puis... ischio, donc très simple aussi, le plus efficace, les curls assis, pareil, de la même manière, 3 x 15-20, donc comme j'ai dit tout à l'heure, je veux pas qu'elle se penche en avant, et puis venir chercher, personnellement, je lui refoutrais pas du deadlift, parce que c'est chiant là, et puis on est en fin de training, donc là, elle a eu une grosse flexion de hanche quand même, on mettrait un leg curl debout, et ça suffira très bien, pareil, 3 x 15, 20. Mais ça pourrait très bien être 2 ici. De toute façon, ça dépendra uniquement de son ressenti et si elle arrive à tout enchaîner sans qu'elle ait envie de vomir. Parce que là, quand même, c'est léger et du coup, il y a du volume, hein, mine de rien. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 15 séries, c'est beaucoup, mais c'est léger. Donc, encore une fois, c'est faisable. Et là, très simple, bloc 2, bloc 3, je change rien. Personnellement, je changerai rien. Je resterai là-dessus, c'est quelque chose de simple. Dans tous les cas, ici, elle va venir chercher de la connexion, du fond, en fait, tout simplement, de la répétition sur le long terme, dont ce sera bénéfique, de toute façon, pour ses quads et pour ses ischios. Et en plus de ça, elle aura un travail lourd, quoi qu'il arrive, sur son hip thrust. Donc, de toute façon, éventuellement, si elle n'arrive plus à progresser sur son hip thrust, ce qui ne serait pas un problème, de toute façon, elle a un gros fessier, encore une fois, elle pourrait très bien inverser, donc venir chercher, pas forcément du lourd ici, mais plutôt moyen, voire même léger, mais ça n'aurait pas trop de sens, du moyen sur son hip thrust, le temps de laisser reposer, donc en fait un deload tout simplement, hein. Ça pourrait très bien se faire, et puis tout le reste, encore une fois, je le laisserai. Donc pour son split, ce que je ferais personnellement, ça en premier, ça en deuxième, ça en troisième, tout simplement, hein. Comme on l'a dit, on focus d'abord sur ses quads et sur ses ischios, et son fessier, on s'en bat les couilles. Donc voilà, hein, t'as compris, j'en ai eu marre. Donc lundi, première séance, quad lourd, ici ischio lourd, ici fessier lourd, et elle pourrait très bien faire dos, épaule, bras, si ça l'enchante, et ici rien. Mais elle pourrait très bien faire les trois, rien ici, ici s'entraîner, et puis rien ici. Tout est faisable. Comme elle pourrait très bien mettre le dos ici, et les bras là, si elle a envie de les travailler, je sais pas, je connais pas bien les critères bikini, je t'avoue. Voilà, mesdames, mesdemoiselles, messieurs. Donc c'est une programmation simple. Encore une fois, vous pouvez vous en inspirer, mais comme je vous l'ai dit, c'est typé pour Jean Lisson. Inspirez-vous de ça, au moins vous pouvez agencer comme vous voulez, vous pouvez très bien avoir le fessier en retard et vous inspirer de ça, ce sera très bien, mais c'est quelque chose d'assez banal, ok? Des formats, il y en a encore une fois, il y en a une chier, des façons de faire, il y en a une chier, on aurait pu faire plein d'autres séances, ça n'aurait pas été un problème. Encore une fois, elle n'a pas forcément toutes les machines ici, donc parfois il va falloir faire un petit peu de bricolage. Donc voilà, ça fait beaucoup de blabla, beaucoup d'infos. Il faut pouvoir, encore une fois, comme dit Vincent, tout est faisable à partir du moment où vous pouvez tout justifier. Donc soyez intelligent, ne faites pas ça n'importe comment. La semaine prochaine, séance training cuisse qui est déjà tourné d'ailleurs et morpho-anatomie de toute façon complète sur Manon. Donc là, ça va être encore une fois très intéressant puisque c'est une athlète figure, ce qui est différent. Là, on a une athlète bikini et peut-être Inch'Allah un jour une wellness. Hein. Peut-être qu'on aura cette chance-là. D'ici là, kiffez bien. J'espère que ça vous plaira, mesdames. Partagez-le, ça me ferait plaisir. Je vous le demande jamais, mais là, partagez-le, ça me ferait kiffer. On voit pas assez de choses sur les femmes. Je sais que j'ai fait beaucoup de choses sur les mecs. Il faut bien aussi que vous compreniez que ce que je raconte pour les mecs, c'est totalement valable pour vous, mesdames. Alors évidemment, il y a quelques différences, c'est sûr, mais dans la majorité des cas,
tout s'applique pour vous. Alors, on va le voir aussi, il y a quelques différences aussi anatomiques. Il y a de grandes tendances chez vous, mesdames, mais j'en parlerai aussi dans une autre vidéo qui sera totalement tournée morpho-anatomie, encore une fois. Donc voilà, d'ici là, portez-vous bien, faites les choses bien, encore une fois. Des bisous, on se voit dimanche prochain avec Manon. Never stop, I'll get it if I want it. Gotta make to myself a promise.